Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'épisode 5 de Via Colite. Un épisode qui a beaucoup fait parler, bien évidemment. Plutôt ambiant, j'ai vu, sur les réseaux sociaux, où certains le considèrent comme un des, si ce n'est le meilleur épisode live-action d'une série Star Wars qu'on n'ait jamais vu. Je vais vous le dire tout de suite, je suis pas exactement du même avis. Est-ce que l'épisode est meilleur que ce qu'on a eu jusque-là? Oui, oui. Après, la barre est pas extrêmement haute. Mais oui, l'épisode est meilleur. Évidemment, il y a vraiment des choses intéressantes, il y a des bons côtés, ce qui quelque part rend encore plus frustrant certaines autres choses, rend encore plus frustrant les problèmes d'écriture. Il y a des choses qui auraient eu tellement plus d'impact si on avait eu des bons scénaristes sur la série. Et c'est tellement dommage, parce que vraiment, il y a des éléments qui sont bien, il y a des acteurs qui sont bien, on en parlera. Il y a certaines lignes de dialogue qui là sont plutôt pas mal et soulèvent des points intéressants. Il y a des choix qui sont très intéressants, mais il y a toujours cette écriture qui est mauvaise. Il y a aussi les 4 épisodes d'avant. Il y a des situations qui ne pourraient pas arriver là si elles ne dépendaient pas de bêtises qui ont été faites avant. Et ça aussi, ça enlève de l'impact pour moi. Il y a plusieurs raisons, voilà, sur lesquelles on reviendra. On va analyser l'épisode comme d'habitude, de toute façon. Voilà, on va revenir sur tout l'épisode. J'aime bien faire une analyse un peu chronologique, un peu précise de tout ce qui s'est passé. Cette fois, je vais aussi m'appuyer sur un article que j'ai lu, je vous mettrai le lien en description. C'est un article d'Entertainment Weekly qui du coup apporte des informations en plus. Il y a Leslie Headland qui a parlé dedans, Jacinto, l'acteur qui joue Kimir, l'actrice de Jackie aussi. Enfin voilà, c'est un article qui est assez intéressant pour le coup, qui vraiment permet de comprendre pas mal de choses par rapport à des choix qui ont été faits, par rapport à des références aussi. Donc voilà, ce sera intéressant de servir aussi de ça. Voilà, je vous dirai quand des choses que je vous dirai seront tirées de toute façon de cet article-là et des connaissances que permettent cet article-là. On commence tout de suite l'épisode. Et donc, on a Osha qui s'était fait éjecter à la fin de l'épisode précédent par le... Alors, je vais le dire tout de suite, hein, par le site. Je sais. Que ce qu'il dit dans l'épisode, c'est un truc genre vous les Jedi, vous m'appelleriez Sith. Donc, on peut se dire, ça veut pas forcément dire que c'est un Sith, bien évidemment. Sauf que, l'acteur qui joue le rôle, lui-même a dit, très exactement, nous voulions un personnage qui ne soit pas seulement oppressant et puissant, mais qui, lorsqu'on le voit, nous dérange. Nous voulions un personnage qui ne soit pas simplement une sorte de Dark Vador qui domine l'écran. C'est plutôt dans le concept de l'étrange. Il peut s'agir d'un trébuchement dans la démarche d'une personne ou d'un tic dans l'œil de quelqu'un. En gros, ils voulaient quelqu'un voilà, qui ait ce côté dérangeant. Plus que vraiment juste un gros charisme en mode « Wow, Dark Vador arrive !» Eux, ils voulaient plus que ce soit un côté très dérangeant. Cool, c'est une idée hyper intéressante, je trouve. De ce côté-là, rien à redire. C'est très subtil et c'est juste ce malaise que les gens ressentent et c'est ce que nous voulions mettre en avant pour ce Seigneur Sith. C'est la phrase de l'acteur. Pour ce Seigneur Sith. Donc, lui-même décrit son personnage comme un Sith. Voilà. Là-dessus, comme ça... Alors, c'est en se reposant sur une interview, hein. Si on regardait que l'épisode, on peut encore se poser la question, mais lui-même l'a appelé un Seigneur Sith. Et donc, elle se réveille. Alors, il y a encore cette histoire de ces espèces de spores rouges qu'on voit partout. Je me demande, est-ce que ça va avoir une importance? Et j'ai une théorie par rapport à ça. Je vais vous en parler très vite. Parce que vraiment, ces spores rouges, ça fait un paquet de fois qu'on nous les montre, là. À chaque fois, ces plantes, ces mages qui lâchent des spores. Déjà, sa frangine qui était tombée. Elle qui va tomber juste après. Il y a un truc. Première chose dont elle s'inquiète, c'est son petit droïde outil. Et vous voyez, elle retombe encore. Il y a un truc que je me demande. Je vais poser une théorie là. Vous en faites ce que vous voulez. Parce qu'il faut bien qu'à la fin, il y ait l'ignorance des Sith. Du retour des Sith. On a une photo. On sait qu'on avait eu dans un des trailers, je crois, où c'était une photo de promotion plutôt. Où on voyait justement Yoda Wish. Je sais plus comment elle s'appelle. Vereda, un truc comme ça. La Jedi verte. Celle qui a l'air un peu de donner les ordres. On voit qu'elle va aller sur cette planète. Et du coup, je me demande. Est-ce que ces spores, genre il n'y a pas une histoire à long terme, ça rend fou, à long terme ça donne des hallucinations, un truc dans le genre, et d'autant plus avec un élément qui va arriver plus tard, le sabre laser du Wookiee Jedi, qui justement est cassé, a été coupé, et aussi en plus dans un truc de spore encore une fois, est-ce que l'excuse finale, ça va pas être de mettre tout ça sur le dos du Wookiee Jedi en disant... Il a pété un plomb parce qu'il était là depuis trop longtemps. Du coup, hallucination, je sais pas quoi. Et c'est lui qui a tué les autres Jedi. Comme ça.
on a une excuse, on trouve une fausse raison, et on est persuadé que ce qui s'est passé n'incluait aucun site. Je pose ça là. Donc voilà, elle voit déjà un des Jedi qui est mort. On voit qu'elle se trouve encore à côté de là où était la demeure justement du... enfin, l'espèce de vaisseau échoué, là où habitait le Wookiee Jedi. Alors, ça m'a un peu fait rire, parce que du coup, elle est là, et elle se rend compte au bout d'un moment qu'il y a 3 mètres, il y a un combat de plein de Jedi, où elle entend les sons et tout. Mais bon, elle vient de se réveiller, elle avait été stunnée. Voilà, c'est possible que c'est une manière de nous montrer... Elle est petit à petit en train de reprendre ses esprits, et boum, elle commence à se rendre compte de ce qui se passe autour, et là elle entend les sons. Ok, pas de soucis. C'est un massacre. Alors, on va déjà en parler tout de suite, parce que ça c'est vraiment, pour le coup, un des bons côtés de l'épisode, évidemment, c'est les scènes d'action. Pour le coup, les scènes de combat, à main nue et au sabre, sont plutôt très cool. Juste, je dirais, c'est un petit peu sombre, c'est dommage, ça n'empêche pas que ce soit cool, ça n'empêche pas. Un gros cocorico... Parce qu'il s'avère que le responsable des combats, justement, c'est un certain Darren Knopp, qui est un Français. Donc ça, c'est cool. Il y a eu un excellent travail du chorégraphe de combat, des cascadeurs, des acteurs. Parce que, par exemple, justement, Kimrin, l'acteur, donc le Sith, pour le coup, lui, il a plutôt une formation de danseur à la base, de ce que j'ai compris. Le mec, il est quand même... Il a des bons bras, hein. C'est vrai que je l'appelais Darth Ezra. Mais il est sacrément bien bâti, le bonhomme. Il le cachait bien, ça, pour le coup. C'est la seule chose qu'il a bien caché. Mais je l'ai trouvé excellent. Vraiment, cet acteur, je l'ai trouvé très bien. Et il a fait la plupart de ses combats. Même ceux en casque, alors pas tout. Mais il a vraiment voulu faire la plupart de ses combats. Donc, vraiment, de ce côté-là, action, c'est le bon point de l'épisode. Et je comprends qu'il y a plein de gens pour qui ça suffit. Pour qui il y a de la bonne action et machin. Ok, c'est cool, ça nous va, c'est du Star Wars comme on l'aime. Je le comprends parfaitement, c'est pas un truc péjoratif ou quoi, je peux le comprendre. Encore une fois, je réexplique, hein. Mon but, c'est pas de convaincre qui que ce soit d'avoir le même avis que moi, je ne fais que partager mon avis. Et il s'avère que je fais partie de ces gens, ouais, l'action, c'est très cool, mais il faut qu'il y ait l'histoire derrière qui lui donne un sens, sinon c'est vide. Et quand je vois des gens qui comparent des duels ici, qui sont très bien, je le dis encore, mais comparer ça à du Duel of the Fate ou des choses comme ça, je peux pas parce qu'il n'y a pas un centième de l'affect que j'avais pour ces combats-là ici. Je continue à n'avoir rien à faire de la plupart des personnages, parce que je les connais à peine. Alors, là, pour le coup, je les connais pas. C'est même pas à peine, c'est que je les connais pas. Je sais même pas leur nom, on n'a pas entendu leur voix. Je n'en ai rien à faire de ces Jedi. Rien du tout. Ils sont massacrés, c'est cool. Visuellement, c'est classe et tout, c'est très bien. Vraiment, encore bravo aux cascadeurs. Magnifique travail, superbe. Je prends pas les steaks, je sais pas qui c'est. Alors, c'est cool, hein. Je vois, piou-piou, machin, c'est cool. Je sais pas qui sont ces gens, je ressens rien. Alors en même temps, il y a une idée intéressante de Leslie Headland, et elle en parle justement dans l'interview d'Entertainment Weekly. En gros, c'était créer une fausse sécurité en justement ce qu'elle appelle les t-shirts rouges, parce que c'est une référence à Star Trek, où en général, c'est toujours ceux avec les maillots rouges qui vont mourir. Et donc, elle appelle ces Jedi-là les maillots rouges, et en gros, ce qu'elle explique, et ce que je trouve très malin pour le vraiment, c'est qu'elle nous a mis cette situation où on voit ces Jedi qu'on ne connaît pas du tout, et que ça nous mettrait dans un... Le but, c'était que ça nous mette dans un faux sentiment de sécurité, où on se dirait, ces Jedi-là vont mourir, mais du coup, les nôtres sont tranquilles. Et en fait, non, eux meurent, et on le verra, les Jedi qu'on connaissait meurent quand même aussi. Et pour le coup, l'idée est bonne. Le seul problème, où là, pour moi, c'est loupé là-dessus, cette partie est très bien. Cette manière de penser. Mais je connais pas Yord et Jiki, je les connais quasiment pas. Et je sais qu'il y a plein de gens qui, même avant même la série, de la même manière qu'il y en a qui avaient décidé de détester avant, ce qui est ridicule, il y a aussi des gens qui, avant même la série, juste par les photos, ah, elle je l'adore, lui je l'adore. Mais en vrai, dans la série, j'ai rien appris d'eux. Je ne sais rien d'eux. Je suis pas attaché à eux. J'en suis arrivé à un point où je me demande, est-ce qu'il aurait pas mieux valu ne pas avoir les jumelles adultes? Écoutez-moi. Imaginons, on a la même histoire pour ce qui est du flashback. Mais, la personne qui tue les Jedi, c'est l'individu masqué. On a les jumelles qui existent dans cette histoire en flashback, mais du coup, on ne sait pas. Il n'y en a pas une qui est devenue qui a été ramenée, qui est devenue la dit. On ne sait pas ce que sont devenus les deux. Il y a un mystère. On ne sait pas ce que les deux sont devenus. Pourquoi je dis ça? Parce que ça permettrait de plutôt travailler la relation de Saul avec Yord et avec Jiki. Et j'aurais aimé que ces deux personnages soient développés. Et là, on aurait eu ce travail d'équipe entre un Jedi, son ancien Padawan et sa Padawan,
actuelle, où vraiment on aurait pu avoir cette équipe à 3, avec des rapports qui se développent, avec quelque chose. Là, on aurait pu apprendre à connaître ces personnages. Là, pour moi, en tout cas, et encore une fois, c'est pour moi, mais pour moi, ça fonctionne pas. J'ai un autre souci, on reste longtemps sur cette image, mais parce que j'ai un autre souci avec cette image, c'est très intéressant d'avoir ramené ce minéral. Parce que on voit, donc, on devine assez vite qu'il y a un truc qui est bizarre. Le fait que les Jedi le touchent avec leur sabre laser, et ça lui fait rien, et on devine que ça provoque un court-circuit dans les sabres laser. C'est ce qui a l'air. J'ai vu plein de gens qui ne comprenaient pas ce qui passait, qui pensaient juste que les sabres laser avaient un problème ou quoi. Donc, en se renseignant, parce que je l'ai déjà dit, hein, je suis pas un pro de l'univers étendu, j'ai lu quelques comics, très peu de la Haute République, j'avais commencé les comics de la Haute République, mais j'avais pas été très loin, j'avais pas super accroché, j'ai pas lu les romans, mais je me renseigne. Et donc, le cortosis est un minéral qui, en fait, peut être mélangé à d'autres minéraux, parce que tout seul, il est vraiment très fragile. On peut le mélanger à d'autres choses, même à du tissu. Et donc, c'est ça. C'est du cortosis. Dont la propre. Alors, à la base, ça a été créé dans Légende, et dans le canon, c'est apparu dans Throne Alliances, je crois, les Alliances de Throne. Peut-être dans autre chose, mais en tout cas, ça a apparu pour la première fois en canon dans Throne Alliances. C'est très intéressant, c'est très cool, cette histoire de minéral. Mais, ça me pose un problème. Parce que, la semaine dernière, il y a l'histoire du Jedi. Avec l'âge qui correspond pas à ce qu'on pensait savoir avant par du légende et pour l'espérance de vie de son espèce et tout ça pour le Mundi. Ok, moi j'ai aucun souci avec le fait qu'on me dise le légende c'est le légende et tout ça. Ok, mais l'épisode d'après, vous allez me chercher un truc qui vient du légende et qui a été utilisé un peu dans le canon, mais seulement en roman. Et vous me mettez ça là, alors que ça a une importance hyper importante. C'est pas la même chose que quand vous mettez un vaisseau Jedi 10 secondes à l'écran, où les fans des comics reconnaissent le type de vaisseau, en mode super content, ah cool, tiens, c'est un vaisseau de cette époque. Ok, ça c'est une chose. Quand vous en faites quelque chose d'important dans le déroulement de l'histoire et de l'action, comme c'est le cas là, parce que c'est ce qui lui donne en grande partie l'avantage sur les Jedi, ça serait un minimum de me l'expliquer. Parce que une énorme... N'en déplaise, j'en suis désolé... aux fans de tout l'univers étendu et tout ça, et c'est cool qu'ils soient contents de voir ça amené en live action, mais là, les scénaristes sont censés penser au grand public. Ils ne font pas cette série juste pour les lecteurs de romans ou de comics. Donc, c'est un minimum d'expliquer un moment. Il suffit d'une phrase. Il suffit d'un moment. Moi, je pensais, par exemple, quand Yord et Osha sont en fuite, après qu'Osha ait tiré sur lui et que ça n'ait pas fonctionné, qu'elles lui disent... Je comprends pas, je lui ai tiré dessus, ça lui a rien fait. Écoute, chat, j'en ai jamais vu, parce que c'est un métal très rare, mais je crois qu'il utilise du cortosis. Et ça veut dire que ça sert à rien de le frapper au coup de sabre laser, et qu'en plus, si on le frappe avec, ça désactive nos sabres pendant quelques minutes. C'est tout, juste ça. Un truc à la con comme ça. Mais vraiment, le fait, je trouve ça ouf que dans un épisode avant, ça fait comprendre que légende c'est légende, et que de toute façon, le canon c'est les séries, et tout ça, ce qui est vrai, même si ça dérange ou machin, c'est vrai. Et là, vous nous faites ça en mode « Démerdez-vous, vous aviez qu'à lire les romans ?» Je sais pas, je trouve ça pas malin. Pour le coup, je trouve ça vraiment pas malin comme façon de faire. Mais après, en soi, je trouve ça intéressant ce délire de cortosis, par contre. Je découvre et je trouve ça très cool, pour le coup. Alors, je découvre. Je crois que... Je me demande s'il n'y a pas un truc avec une histoire de droïde, pareil, qui était fait en cortosis. Donc, je crois que j'avais déjà entendu parler dans ce cas-là. Donc, très cool au niveau des combats, encore une fois. Alors, c'est violent. Mais je voyais Leslie Headland qui dans l'interview disait « Ouais, j'hallucinais de ce qu'on a accepté que je fasse et tout. Ouais, mais loot, en même temps, enfin, te la pète pas en mode « T'as fait des trucs de fou, comment dire ?» En gros, elle parlait de la violence, du à quel point c'est violent et on m'a laissé faire, machin. Oui, mais hey, en même temps, on voit rien parce que c'est super sombre et quand ça coupe des têtes ou machin, c'est derrière un arbre. T'as rien fait qu'on n'ait pas déjà vu. Enfin, on a déjà vu bien pire dans du Star Wars. Y a rien de bien nouveau là-dessus. Ce qui n'empêche rien au fait que c'est cool à voir les combats. Mais faut se détendre, enfin... Pardon, mais c'est pas non plus choquant ce qu'on voit là. Ça, c'est le moment justement, je vous disais, où elle lui tire dessus et il se passe rien. Et il aurait pu se servir de ça pour après amener la discussion justement de « what the fuck ?» et pouvoir expliquer au grand public. Mais non. Du coup, démerdez-vous. Vous aviez qu'à lire les bouquins. C'est pas... Je peux l'accepter, mais je trouve pas ça... C'est pas un truc grave ou quoi. Mais c'est un détail. Mais je trouve pas... Il y a un côté un peu gatekeeping. C'est vraiment... Si t'as pas lu les romans, bien fait pour toi. Je sais pas, enfin les séries, le but c'est justement de permettre aux gens de comprendre en fait. Ça reste quand même le centre du canon, ça reste les films et maintenant les séries. On le sait bien, enfin ils ont déjà dans l'ère Disney, ils ont changé des choses qui avaient été posées dans des comics parce qu'un film disait autre chose. Je pense par exemple à l'origine story de Poe,
qui avait déjà été établie dans un comics, qui a été contredite dans, qui a été contredite direct derrière dans Star Wars, c'était le, dans le 9, je crois, bon, ouais, c'est dans le 9 où on parle de son origin story. Enfin bon. Et donc, il décide de la poursuivre, elle. Donc, il laisse tomber Yord, qui est blessé à la jambe, hein. Alors, c'est drôle, parce que du coup, au lieu de lui couper la jambe, il frotte le sable contre sa jambe et hop, il le tire. Donc, il lui fait une espèce de, je sais pas, enfin, il le brûle un peu. Et il décide de laisser là. Donc, Yord qui dit à Osha de partir. Cours, cours. On enchaîne sur Mae, c'est un des mystères de l'épisode. Vraiment, je comprends pas. Et j'ai bien vu que plein de monde posait la question. C'est quoi ses motivations? Je comprends pas. Elle change de motivation toutes les 3 secondes. Alors, à la fin de l'épisode précédent, son but, c'était de se rendre. Elle voulait aller voir les Jedi, le Wookiee Jedi, se rendre, parce qu'après tout, elle avait appris que sa sœur était vivante, et c'était ça qui était important pour elle. Ok, entre-temps, elle voit que le Jedi est mort, et elle se rend compte que son maître est là. Mais du coup, elle décide de courir je sais pas où. Je sais pas c'est quoi le but, y a rien qui me donne les moyens de savoir quel est son but. Est-ce qu'elle court vers le vaisseau dans lequel elle est arrivée avec Kimrin? Est-ce qu'elle essaye d'aller retrouver sa sœur? Mais en fait non, on va le voir plus tard. Je sais pas c'est quoi son but, je comprends qu'elle panique, mais on est censé m'aider à comprendre quel est son objectif. Là j'en sais rien, pourquoi elle se rend pas après, on va le... Enfin, je ne comprends pas ce personnage, je peux pas... Vraiment, il n'y a rien qui me permet de comprendre ce personnage dans ces moments-là. J'ai l'impression qu'elle change d'objectif toutes les 28 secondes. Ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Et donc, on trouve Osha qui est en train de courir donc pour s'enfuir, qui est poursuivi par le Sith, qui va lancer son sabre. Et les moves sont cool, il y a plein de moves cool. Ça, vraiment, je comprends qu'on kiffe là-dessus. Même, je l'ai pas dit, mais quand il embroche les deux Jedi, qu'il embroche une Jedi et hop, il attire l'autre, boum, il s'embroche dessus aussi, c'est cool. Évidemment que c'est cool. Et je vais pas dire que je kiffe pas là-dessus. Hein. Je suis pas là pour haïr la série gratuitement ou machin. Il y a des choses cool. Il y a des choses cool. Et je comprends qu'on puisse accrocher sur ces choses-là. C'est juste que moi, voilà, il y a d'autres choses qui font que je peux pas l'apprécier comme je le voudrais. Parce que du coup, il manque des choses en termes d'écriture. Il manque le fond. Il manque l'attachement. Il manque plein de choses. Et Saul apparaît. T'étais où, Saul? T'étais où? Ils étaient en train de se battre, les autres. T'arrives d'où, là, en fait? Il s'est passé quoi? T'as trouvé un resto-route à un moment? Tu t'es dit, tiens, je vais manger une petite choucroute quand même, histoire d'être en forme. Et puis... Oh bah ça y est, c'est bon, j'ai digéré. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu viens d'où? Quoi? Bon, heureusement, il apparaît au bon moment. Et qu'on me dise pas que c'est parce qu'il les a sentis, hein, parce que si on me dit il a senti qu'ils étaient là, ça va poser plein de problèmes pour plus tard. Déjà, ils le sentent pas, le site, de toute façon. Ok, ça je peux accepter. Il sent pas non plus Osha, hein, on va le voir à la fin. Il est pas capable de sentir Osha du tout, vraiment. Donc bon, il les retrouve, très cool. Ça m'a fait marrer parce que du coup, il coupe les arbres et les arbres. Alors, c'est un détail, ok, hein, on va pas détester l'épisode pour ça, évidemment. Mais il coupe les arbres dans un sens et il tombe dans l'autre. Alors, peut-être que ces gens qui vivent à Los Angeles et tout n'ont jamais vu d'arbre, je sais pas. Mais quand on coupe un arbre, en fait, ça tombe du côté le plus bas, enfin. Ça devrait tomber dans ce sens-là, en fait. Et non, ça ne comprend pas bien. Mais bon, c'est un détail. Ils tombent tous dans l'autre sens, d'accord. C'est un détail, c'est rien du tout. J'ai pas compris le délire là, c'est un détail aussi, mais pourquoi d'un coup il l'appelle civilian? Enfin moi je regarde en VO, mais en gros il dit qu'il faut emmener la civile en sûreté, enfin c'est Osha, il a toujours appelé Osha, il est super proche d'elle. Pourquoi d'un coup ça devient la civile? C'est bizarre en termes d'écriture, et lui l'appelle la civile, et ensuite Yord l'appelle la civile. Est-ce que c'est pour une sorte de détachement, parce que là il faut le... J'ai pas compris, je sais pas, c'est peut-être moi, hein. C'est... Mais j'ai pas compris pourquoi d'un coup on l'appelle la civile, alors qu'il l'a toujours appelé Osha en fait. Je comprends pas bien. Donc Saul qui fait face au site. D'ailleurs c'est là qu'on a le générique. Enfin c'est là qu'on a le, ouais, le petit générique. Hein. C'est plus vraiment des génériques maintenant, ça se fait plus. Mais voilà, qu'on a le titre via Colite. Et ça me permet de dire justement, vraiment par contre, ils auraient dû coller les deux épisodes. Hein. Je suis pas le seul à le dire, tout le monde l'a dit, même ceux qui ont adoré la série. Vraiment, enfin c'est un épisode qu'ils ont coupé en deux. Ça aurait dû en être un seul, surtout que ça fait moins de 30 minutes. Ça, c'est un des vrais problèmes chez Lucasfilm, de faire des épisodes comme ça, aussi courts, c'est chiant. Faites du 40-50 minutes, vraiment, enfin, c'est relou sinon, c'est relou. Je crois que c'est Andor, pour le coup, qui le fait, si j'ai bonne mémoire, mais ouais, non, vraiment, enfin, faut pas... Faites le même format que House of the Dragon et compagnie, enfin, pour une mini-série, s'il y avait 20 épisodes ou quoi, je veux bien, mais sur du 8 épisodes, pff, sérieux, faites pas ça. On retrouve Basile,
Alors, je sais pas. Basile va apparaître devant eux, donc devant Osha et Yord. Ils vont retomber sur lui et dire: ah bah tiens, faut qu'on le suive. Basile, il vit ses aventures. Hein. C'est le pire guide. Vous imaginez, vous partez faire l'Himalaya ou je sais pas quoi, et votre guide disparaît toutes les 30 secondes. Vous le perdez tout le temps. C'est quoi ce guide? Vraiment. Après, moi je me dis, je serais pas contre qu'on ait un épisode où on suive juste les aventures de Basile. Genre, il y a pas de dialogue, rien, c'est juste Basile, et on le suit juste. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait entre les trucs? Il apparaît, il disparaît, il réapparaît. Je sais pas. Faites-moi un show Basile. Faites-moi un show sur Basile et ses aventures dans la forêt. Moi ça me va très bien. Ça me va très bien. Qu'ils aient amis avec des animaux, j'en sais rien. Faites un truc, ça peut être trop cool, ça peut être trop cool. Mais donc voilà, il décide de le suivre, mais il s'arrête pour discuter, donc il y a des chances qu'il le perde direct. Et donc c'est le moment où elle se rend compte qu'il est blessé. J'ai vu aussi des gens qui se plaignaient parce qu'après il cavale déjà à ce moment-là en fait. Alors il est blessé à la jambe, elle le dit, elle le remarque, mais juste avant il est déjà en train de cavaler pour arriver là. Donc le fait qu'il cavale plus tard, de toute façon il cavale déjà là, il est blessé, ça change pas grand-chose au reste. Voilà, vraiment. Aucun intérêt, ça n'apporte rien. Et donc voilà, ils partent. Voilà, il lui explique qu'il lui laissera pas le choix. Non, on n'y retourne pas. On m'a dit de t'emmener en sécurité. Je t'emmène en sécurité. S'il faut, je t'obligerai. Et là, c'est intéressant. Du coup, on revient sur le face-à-face de Saul et du Sith. Et il lui dit: tu ne te rappelles pas de moi. Donc Saul lui dit: qui es-tu? Il lui dit: tu ne te rappelles pas de moi. Et Saul lui répond: en gros, ton énergie m'est familière. Et plusieurs fois. Depuis qu'ils sont arrivés sur la planète, ils s'arrêtaient pour sentir, en mode, ils sentaient quelque chose. Et on avait déjà dit qu'ils donnaient l'impression de sentir quelque chose qu'ils connaissaient déjà. Et il expliquait rien aux autres, mais ça se voyait qu'ils sentaient quelque chose qu'ils connaissaient. Pour moi, il était sur la planète il y a 16 ans. Il y était. Surtout plus tard, on nous donne un gros indice quand Osha va dire à Yord, quand Yord lui dit en fait, il peut rentrer dans nos têtes, c'est très étrange, machin, et elle lui dit, ma mère pouvait faire ça. Je commence à me demander, parce qu'il y a la question, si c'est un Sith, est-ce qu'il est le maître ou est-ce qu'il est l'élève? Et pour moi, il est l'élève, alors ce qui est déjà ouf, parce qu'il a quand même tué 7 Jedi sur 8, même 8 avec le Wookiee, et donc pour moi, ça veut dire qu'il aurait appris auprès d'une des femmes du Coven. Donc, est-ce que ça serait, parce qu'après tout, je pensais que ça serait elle, le Sith, est-ce que ça serait la mère, celle qui est de la même race que Maul? Je me demande, parce que l'autre, elle est morte, normalement. À moins qu'on ait vu son corps, mais qu'en fait, elle l'était pas. Elle est censée être morte. Donc, pour moi, il était présent. Et donc, c'est là-bas qu'il aurait trouvé Maé. Est-ce que la manière dont elles ont été conçues, le fait qu'on sous-entende à un moment que c'était un truc dont il fallait pas que ça se sache, est-ce que lui avait un rôle là-dedans? Est-ce que lui a apporté des connaissances par rapport à ça? Il y a eu une espèce d'échange de formation, enfin, je sais pas. Il y a quelque chose en tout cas là-dessus. Il y a vraiment un truc là-dessus. Combat, encore une fois, très cool. Vraiment, bravo aux deux acteurs. Ils ont taffé à fond, ça se voit. Chapeau aux coordinateurs, chapeau aux cascadeurs, chapeau aux acteurs. Vraiment là-dessus, il y a eu beaucoup de taf. Et justement, ça m'embête encore plus pour eux, avec le taf qu'ils ont fourni, que l'écriture leur permettent pas que ça brille encore plus. C'est ça qui me frustre. C'est que justement, il y a des gens qui ont fait un super boulot et ça suit pas derrière. On leur offre pas le matériau qui leur permet que ça brille comme ça pourrait. C'est ça qui me dérange. Et là, ouais, une partie que je comprends pas bien. Donc, Maé sort de la maison du Wookiee. J'adore l'arrivée de Jackie en mode prise de catch. Elle arrive, jambe en avance, blam. Alors, ok, sur le coup, elle lui laisse pas le temps, Jackie. Mais, on a quand même une Maé qui du coup avait dit, ça y est, je m'en fous de tuer les Jedi, moi ce que je veux c'est voir ma sœur, c'est plus important et tout, parle-lui, essaye de lui dire, wow, je veux pas me battre avec toi, il y a l'autre qui est là, il veut sûrement me tuer aussi, je veux me barrer, je veux qu'on trouve une solution pour se barrer, je sais pas, donner des indications, elle le connaît le maître, donc essayez de leur dire, et au fait, faites gaffe. Déjà, il a la matière là, qui arrête les sabres laser. Faites gaffe, son sabre, c'est un double. Il y a une dague à l'intérieur. J'en sais rien. Mais, enfin, je sais pas. Dites-moi si c'est moi qui en demande trop. Mais ça me paraît bizarre. Je comprends qu'elle panique parce que le maître est là et tout. Mais elle met aucune chance de son côté. Et le truc, c'est qu'encore plus, au fur et à mesure de l'épisode, parce que 20 fois, elle est sauvée par les Jedi. 20 fois, elle est sauvée par eux. 20 fois, elle pourrait décider de faire équipe avec eux. Pour donner plus de chance, justement. 20 fois, elle pourrait essayer de lancer un de ses couteaux, même de loin, dans le dos, pendant qu'il se bat avec les autres ou quoi. Et je sais pas ce qu'elle fait, où elle va.
Je comprends pas. Je ne comprends pas c'est quoi son projet. Je sais pas. C'est très bizarre. Par contre, encore une fois, le combat est très cool. C'est bien taffé, c'est plutôt bien foutu, c'est assez lisible. Vraiment, là-dessus, c'est plutôt cool. Mais c'est toujours pareil. Du coup, visuellement, bah ouais, c'est plutôt pas mal, c'est cool. Il y a le côté un peu sombre, mais franchement, ça va encore. Mais c'est vraiment les motivations des personnages. Et puis en plus, pareil, qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Parce qu'on va le voir après, elle est super forte. Elle aurait peut-être fait une différence si elle avait été là avec tous les autres Jedi. Votre priorité, c'est peut-être quand même le maître, plutôt qu'elle. Ou Sol. Sol a déjà montré plusieurs fois qu'il peut la calmer comme il veut. Votre priorité, c'est quand même l'autre. Alors qu'est-ce que tu fais là? À quel moment t'es parti en me disant que je vais les laisser avec ce mec qui est en train de les défoncer, sachant que Sol s'est dit la même en plus, et moi je vais partir de mon côté. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Comment les personnages se sont retrouvés là? Alors c'est facile d'avoir eu Osha qui s'est endormi, et d'un coup les personnages sont à des endroits différents. Mais c'est hyper étrange. Pourquoi elle est partie? Pourquoi elle n'est pas restée là où il y avait le combat? Je comprends pas. On revient sur la confrontation entre Sol et le Sith. Alors, du coup il lui dit... C'est très... Les spécialistes, dites-moi un truc. Dites-moi un truc. Ok, le Cortosis, là, ça arrête les sabres laser et ça les désactive. Par contre, ils ont pas confondu avec le casque de Magneto. Parce qu'en gros, il lui dit, montre ton visage. Et c'est... Non, non, non. Pour que tu lises dans mon esprit. Non, non, non. Pardon. Ça arrête aussi les pouvoirs de la force. Depuis quand? Ça a déjà été dit quelque part? Là, je demande vraiment aux spécialistes. Ça a déjà été dit quelque part, ça? Parce que j'ai rien trouvé là-dessus. J'ai cherché, j'ai rien trouvé sur le fait que ça empêche de lire. Et en plus, non seulement il y a ce côté-là, mais si tu dis ça, c'est pour que ça serve plus tard. Or, quand il perd son casque, à aucun moment il essaie de lire son esprit. Donc c'est quoi l'intérêt, en fait? Pourquoi vous avez écrit ça, si ça sert pas? Déjà d'où ça sort? Et de deux, pourquoi l'écrire si en plus ça sert à rien derrière? C'est quoi l'intérêt? C'est des choses comme ça sur lesquelles je comprends pas, en fait, comment les scénaristes ont bossé. C'est ce genre de choses-là. Par contre, il y a cette phrase intéressante où Saul lui dit, et ça, il y a aussi certaines lignes qui sont cool, c'est ça qui est terrible. Où Saul lui dit, quel genre de maître cache son visage à son élève? Et l'autre lui répond, toi, dis-moi. En gros, t'as fait la même, explique. Cette ligne-là, elle est cool. Voilà, ça, à voir la suite, j'espère que ça sera développé. Mais cette ligne-là, elle est plutôt cool pour le coup. Ça, j'aime bien. Donc le combat continue, on a donc Yord qui dit voilà, il est trop dangereux, faut vraiment qu'on se barre. Le Sith qui arrive à éjecter Saul, et quand il se relève, il a disparu. C'est tout ce qu'il fait pendant tout l'épisode. Il se bat, il disparaît. Et donc c'est là justement où elle lui dit que... elle lui demande ce qu'il est, il lui dit bah... j'en sais rien, je ne comprends pas. Il suit aucune règle du combat. Il rentre dans nos têtes et il y reste. Et c'est là qu'elle lui dit justement, tiens, ma mère pouvait faire ça. Je l'ai déjà vu faire une fois. Ce qu'on avait vu, évidemment, dans le flashback, justement. Et évidemment, il repère de Basile. Il a de nouveau disparu. Qui repart vivre. Il en a rien à foutre de personne, Basile. C'est pas. J'espère qu'ils l'ont pas payé très cher. On retrouve du coup Jackie toujours en train de se battre avec Mae. Encore une fois, je ne comprends pas ce qu'est le but de Mae, qui maintenant est de nouveau prête à tuer une Jedi, plutôt que d'essayer de lui parler, de faire quelque chose, en mode, hey, je savais pas que ma sœur était vivante, je veux voir ma sœur, et j'ai pas envie de... Lui, il est contre moi aussi, enfin, je sais pas, quelque chose. Non. Jackie, donc, arrive à la maîtriser, elle se rend compte qu'elle avait pris le sabre du Jedi Wookiee, ça va lui servir. Mais pas tant que ça en vrai au final, mais ça va lui servir quand même. Justement, le Sith qui arrive, parce que, et on va en parler ça, parce que donc ce qu'on comprend vraiment, ce qu'on va comprendre, c'est que sa cible, c'est Mae. Sa cible, c'est Mae. Là, il veut tuer Mae. On va en parler. Donc combat entre les deux, encore une fois, très cool, et vraiment, je le redis, j'aurais aimé qu'elle ait plus d'importance, Jackie, parce que je sais pas, il y a un vrai potentiel, ça sent, elle a quelque chose. Elle avait tellement plus à montrer que ce qu'elle a eu l'occasion là. Je trouve ça vraiment dommage. Je sais que c'est un perso auquel j'aurais pu m'attacher si on m'en avait donné l'occasion. Si elle avait pas eu juste des lignes hyper lambda, un temps de présence assez réduit, enfin... C'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Donc voilà, son sabre, bah encore une fois, à cause du matériau, à cause du cortosite, se fait disjoncter, là. Heureusement, elle a le deuxième. La petite mimique qu'elle fait et tout, je trouve ça fonctionne trop. Vraiment, c'est un perso que j'aurais eu envie de mieux connaître. C'est pour ça que je suis frustré, et que même ce qui lui arrive plus tard me fait pas grand-chose, parce que je la connais pas, parce que je suis pas attaché à elle, en vrai. J'ai envie de l'être, mais j'ai pas eu les éléments qui me le permettaient.
Mais bon, en tout cas, elle se débrouille très bien dans le combat. Mikey se sauve à nouveau, je sais toujours pas où. Je sais pas où elle compte aller, je ne comprends pas. Et donc le combat qui continue, il arrive à péter un des deux sabres, et il a disparu. Parce qu'il poursuit Mae. On va en parler maintenant. Parce que tu veux tuer Mae, ok. Parce qu'elle t'a trahi. Ok. Ok. Elle te l'a dit qu'elle allait te trahir. Elle te l'a dit. Ok, à ce moment-là, on n'est pas censé savoir que c'est toi, même si on le sait tous. Mais l'épisode précédent, les yeux dans les yeux, elle t'a dit « J'arrête tout ça, je lui obéis plus, j'ai pas besoin de faire ça. Je vais me barrer, je vais me rendre. » Elle te l'a dit. Elle te l'a dit avant le piège, qu'elle allait te trahir. Et vous me ferez pas croire que ce site qui explose 8 Jedi, n'était pas capable de se libérer de ce putain de piège et de la tuer direct. C'est stupide. C'est stupide. Il aurait suffi que tu la tues direct. Après, si t'avais envie d'aller tuer l'autre machin, tu pouvais tout faire discrètement et te barrer. En plus, du coup, ce qui le dérange, c'est qu'elle a rendu son existence connue, en gros, qu'elle risquait de rendre son existence connue. Tu l'as envoyé dans des missions devant tout le monde. T'as jamais essayé d'être discret. T'as jamais essayé qu'elle soit discrète. De base, c'est toi qui t'as tiré la merde en l'envoyant. L'autre, elle a été dans un bar tuer l'autre, dans un temple Jedi. C'est... De quelle discrétion? Enfin, quoi? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et encore une fois, pourquoi il l'a pas tué au moment où elle lui a dit les yeux dans les yeux, je vais te trahir. Enfin, je vais trahir mon maître. C'est lui. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Et donc on retrouve Yord et Osha qui se retrouvent à un endroit où il y a les mêmes insectes. Alors ça c'était évident qu'ils allaient resservir les insectes, je vous l'avais dit dans la dernière vidéo. Donc voilà, il lui dit « Éteins ton sabre laser mon loulou, ils sont là ». On retrouve Mae qui continue à cavaler. J'ai bien aimé ce plan, il était vraiment joli ce plan. J'imagine ça représente le côté « il est dans ta tête et il y reste ». Je trouvais ça plutôt intéressant, avec la colorimétrie, avec la manière comme ça, avec ce côté rouge, la manière dont on voit la texture du casque. Je trouvais ça plutôt cool. C'est un petit truc que je trouve sympa. Et donc, il réapparaît là pour la tuer. Encore une fois, pourquoi tu l'as pas tuée dès le départ quand elle t'a dit qu'elle allait trahir plutôt que de toi-même te foutre dans la merde, à la laisser partir, à aller tuer le Wookiee, à te retrouver devant tous les Jedi, à prendre des risques inutiles? Je ne comprends pas, je ne comprends pas. T'aurais pu éviter tout ça. Et là, ça n'a aucun sens. Donc, c'est vraiment juste parce qu'ils ont besoin qu'elle ait les mains libres. Donc, il lui coupe les menottes pour ensuite vouloir la tuer. Tu lui libères les mains pour ensuite vouloir la tuer. Quel est l'intérêt? Pourquoi tu fais ça? Est-ce que ça tourne rond dans ta tête? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as une panne de radiateur dans le cerveau, il se passe un truc, enfin... What? Qu'est-ce que... Heureusement, Mae se fait encore sauver par un Jedi, donc ils ont bon dos, hein, les méchants Jedi, machin, tout ça. Ils te sauvent la vie 20 fois. 20 fois ils te sauvent la vie dans cet épisode. Donc je serais toi, je ferais pas non plus trop ma maligne quand même. Et donc voilà, ils balancent le fil. Ça, c'est un moment que j'ai vraiment apprécié. Le combat Jeki Saul contre le Sith. Parce que vraiment, on voit le côté maître Padawan qui ont l'habitude de se battre. Et c'est hyper bien foutu. Et encore une fois, et Cocorico, bravo au chorégraphe de combat. Bravo à lui. Vraiment, la manière... Là, il y a de la vraie narration visuelle. C'est ça. Vraiment, il y a un truc hyper intéressant. Où on voit à quel point ils se battent. C'est vraiment montré dans les mouvements à quel point ils se battent bien ensemble. La manière dont l'un va tenir, l'autre va frapper de l'autre côté, machin. C'est hyper bien foutu. Vraiment. De ce côté-là, j'ai rien à redire. Moi, pour moi, j'ai envie de vous dire, c'est ce combat-là, mon préféré. J'aime bien aussi le combat à main nue qui arrive plus tard, entre Saul et le Sith. Mais celui-là, je trouve qu'il raconte quelque chose. Là, ça dit quelque chose. On voit vraiment. Et quand je vous disais tout à l'heure que pour moi, la série aurait peut-être gagné à pas avoir les jumelles adultes, une des choses, c'est ça, c'est que j'aurais aimé voir justement l'évolution du rapport entre Jeki et Saul, qu'on aurait vu très proche au départ, et à cause de ces meurtres et de l'enquête sur le passé, on aurait pu voir une évolution de Jeki et Yord aussi d'ailleurs, sur la confiance par rapport à leur maître qui serait mise à rude épreuve, voir un peu comment les deux réagiraient, il aurait fallu que les deux réagissent de manière différente, avec une évolution de tout ça, et là j'ai ce truc de, je vois leur,
leur complicité, la façon dont ils sont tellement entraînés ensemble, et c'est con, mais dans ce combat-là, j'ai l'impression d'avoir plus de développement quelque part de ces deux personnages que dans les quatre épisodes que j'ai eu avant. Juste par ce petit bout-là. Comme quoi, les chorégraphes de combat ont fait un meilleur taf que les scénaristes sur cinq épisodes. Heureusement qu'eux sont arrivés et ont dit, ok, vous avez rien raconté sur eux, nous on va vous raconter. Enfin, j'exagère en disant rien, mais nous, en une scène de combat, on va vous montrer à quel point les deux sont proches. Bravo à eux. Bravo à eux. Si tout le monde avait le même talent pour le coup, ben j'aurais un avis très 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 différent sur la série. Bon, évidemment, Maë va se barrer, hein, parce que c'est ce qu'elle fait à chaque fois. Et on le voit encore, hein, d'ailleurs, que sa priorité à lui, c'est vraiment Maë, parce qu'il se bat contre les deux, mais dès qu'il voit qu'elle se barre, il essaye de la rejoindre pour la tuer, et c'est encore eux qui interviennent pour la sauver. Donc, pourquoi tu l'as pas tuée dès le début, quand elle t'a dit qu'elle allait te trahir? C'était quoi l'intérêt de la laisser partir pour ensuite la tuer dans un truc vachement plus compliqué avec des Jedi de partout? C'est trop bizarre, c'est trop bizarre. Et à ce moment-là, vu que Maë est en danger, de manière assez pratique, Osha va de nouveau avoir une espèce de vision, enfin, elle va entendre sa sœur, ce qui lui permet de savoir que tout le monde est en danger, ce qui va donner, ce qui va donner la mise en place d'un des trucs les plus stupides de l'épisode et de la série, où elle va avoir cette idée de génie de, mais attends, et je vous l'avais dit que ça servirait, hein, d'une manière comme ça, en fuite ou machin, où il servirait des insectes. C'était sûr et certain. Mais où donc, elle va se servir de sa lampe torche pour attirer les insectes, va demander à Yord, allez viens, tu me suis, on y retourne. Et encore une fois, hein, j'ai vu des gens, bah ouais, Yord se met à courir, mais il court depuis tout à l'heure en fait. Sa blessure, elle a jamais eu aucun intérêt, elle a jamais rien fait, elle a servi à rien. De toute manière, à aucun moment ils en ont eu quelque chose à foutre qu'il soit blessé. Ça n'a jamais servi à quoi que ce soit. Combat, encore une fois, très 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 cool. De ce côté-là, aucun souci. Et là, le masque tombe, littéralement. Et c'est intéressant, je l'ai pas dit, mais le cortosis, c'est vrai que, ok, ça repousse les sabres laser et tout ça. Le problème, par contre, c'est que ça reste quand même fragile. Alors normalement, c'est plutôt fragile sur des armes en continu, genre les espèces de canons à foudre qu'ils avaient à un moment les clones. Et bon, là, il se brise effectivement. Est-ce que Saul va en profiter pour lire son esprit, comme l'autre le craignait plus tôt? Non. Il n'y pense pas, il a oublié. Et là, j'ai adoré cette idée en termes de design, ce qui n'est pas totalement nouveau, mais j'ai adoré cette idée en termes de design, de dire qu'en fait, il peut séparer son sabre et il y a une dague en fait à l'intérieur. Ça, je trouve ça trop cool. Moi, j'aime bien le principe justement d'apporter de la nouveauté. Il n'y a pas de raison que des gens aient eu de l'imagination et fait des sabres laser différents et tout. Je trouve ça très cool pour le coup, je trouve ça très cool. Et là, ce que j'adore, c'est que il a vu Star Wars en fait, le site. Clairement, il a vu Star Wars. Il sait très bien que se faire empaler au sabre laser, ça tue pas vraiment. J'imagine qu'il y a un flashback avec toutes les scènes de gens qui ont été embrochés, genre Sabine, Maul qui s'est carrément fait couper en deux et ainsi de suite, Riva, tout ça. Et il fait fou, fou, fou. Il la plante trois fois en mode Eh, ok, je sais pas trop de quelle espèce t'es, je sais pas où est ton cœur, je vais pas prendre de risques, boum boum boum. Et cool, et ce choix de tuer un personnage principal, même si encore une fois je trouve que ça reste très en retrait, mais bon, quand même censé être personnage principal, c'est cool. Ça, c'est un truc que j'aime bien, c'est une prise de risque qui est classe, et là-dessus, je respecte. Encore une fois, ça n'a pas l'impact que je voudrais que ça ait, parce que non, pour moi, le personnage n'a pas été assez bien développé, on n'a pas créé d'empathie pour moi vis-à-vis de ce personnage, mais dans l'idée, je respecte. Je trouve ça plutôt cool. Évidemment, Saul, voilà, qui le prend très mal, et la révélation. La révélation. Et c'est terrible, parce que, d'un côté, je trouve ça ouf qu'il y ait moins de suspense dans cette série que dans un épisode de Scooby-Doo. On en est là quand même. D'après les dires de Leslie Headland, son but n'était pas que de créer du suspense par rapport à l'identité de qui était sous le casque. En gros, on savait très bien que tout le monde aurait deviné. Dans ce cas, écrivez le mieux en fait. C'est ce qu'elle dit dans l'article, hein, de Entertainment Weekly. Qui savait très bien, mais que la surprise, c'était sur le fait que les personnages principaux allaient mourir. On aurait pu avoir les deux, en fait. Ça aurait été bien d'avoir un reveal qui a de l'impact. D'autant plus que c'est le premier site en 1000 ans. Et ça n'a même pas vraiment d'impact, du coup.
C'est en mode, ah bah ouais, c'est lui. Et c'est le premier site en 1000 ans. Et c'est le reveal le plus évident, quoi. T'avais pas besoin de nous montrer comme il savait se battre quand Mae l'agresse à un moment. T'avais pas besoin de nous donner tout ce que t'as donné qui a fait qu'on a deviné qui c'était. Ça aurait été tellement plus intéressant si ça avait pas été le cas. Je trouve ça vraiment dommage. Vraiment, vraiment dommage. Et pour moi, c'est pas une excuse, le truc de ouais, mais non, mais c'est pas. On voulait pas mettre le. Putain, mais ça veut dire quoi? Vous êtes. Pour moi, c'est juste admettre qu'on n'est pas assez bon scénariste. Je retrouve le truc des scénaristes de She-Hulk qui avaient dit on sait pas écrire, on sait pas écrire un procès. Pour moi, c'est le même. Je sais pas. C'est présenté comme un choix artistique, mais j'ai vraiment du mal à le prendre comme tel. J'ai vraiment du mal à le prendre comme tel. Et vous voyez, c'est ce qu'elle dit là dans l'interview. En gros, ouais, vous êtes en mode ah, ok, il va juste tuer une bande de red shirts, donc encore une fois référence à Star Trek, et tout le monde va aller bien en parlant des personnages importants. Oh mon Dieu, Jackie est morte. Ok, maintenant je vous écoute. En gros, maintenant vous avez mon attention parce que waouh, vous avez tué un personnage principal. Ouais, mais encore une fois, je la connais à peine. En vrai, je la connais à peine. J'ai pas tant d'empathie que ça pour elle. Et il faut savoir que pour le personnage du coup de Kimrin, je suis désolé si je dis faux depuis le début, mais j'ai la flemme de vérifier le cast. Et je crois que c'est Kimrin, entre comme ça. Mais en gros, l'inspiration pour son personnage, ça vient de ce film, Come Drink With Me. Et dans ce film, on a du coup ce personnage féminin qui veut se venger de. Qui veut se venger de ce type-là et de ce type-là, les deux-là, qui ont tué son père, je crois, de mémoire, je l'ai vu il y a longtemps. Et il y a ce personnage-là, dont on pense au début qu'il est un type qui juste veut picoler, chante des chansons et machin, et qui au final va s'avérer être un moine Shaolin. Alors c'est super rigolo parce que genre lui et les deux là d'un coup de nulle part sortent des espèces de pouvoirs où genre ils ont de la fumée qui leur sortent de la main. C'est juste un moment que ça sort de nulle part comme ça. Mais donc voilà, en gros où il a l'air d'un incapable pendant tout le long et il s'avère qu'en fait c'est un super combattant. Et donc voilà, c'est ce qu'elle a expliqué ici. Donc c'est inspiré par le personnage de Drunken Cat d'un film hongkongais d'art martial hongkongais de 1966 comme With Me. Qui est un espèce de maladroit, machin, qui s'avère être un super combattant. Ouais, mais là où c'est intéressant, c'est si on s'en doute pas direct, en fait. Sinon, ça perd toute sa valeur. Ça n'a aucun intérêt. Si on voit, si tu nous montres tout de suite qu'il sait se battre, donc je comprends pas comment ils ont réfléchi ça, en fait. Et un des trucs qui me frustre vraiment, c'est qu'il est classe dans ce rôle. Il le joue bien. Il est vachement plus baraque que je le pensais en plus, mais dans la présence et tout, il a vraiment un truc. Il a vraiment un truc. Et sans ça, je trouve qu'il aurait mérité tellement mieux. Parce qu'il assure dans le rôle. Il assure vraiment. Ça pourrait être un putain de vilain. Un super vilain. Mais c'est l'écriture autour pour moi qui gâche le truc. Mais il a un vrai potentiel. Et il y a quelques lignes là qui sont bien pour le coup. J'aime la manière dont il dit. Elle dit ouais, t'as tué. Saul qui dit t'as tué Jiki. Et lui qui répond it was its name. Its name. Ce qui est vraiment un côté déshumanisant. Il dit pas her name. Il dit pas their name, qui serait du coup un tout. Il dit its name. Donc il la déshumanise dans son propos. Et surtout, j'adore la ligne qui vient après, où Saul dit. C'était un enfant. Et lui qui répond, enfin qui le regarde, ça, qui fait, c'est toi qui l'as amené ici. Et ça, c'est un truc intéressant. Ça fait partie des vraies critiques à faire aux Jedi. C'est vrai, ils emmènent des adolescents sur le champ de bataille. On l'a vu dans Clone Wars. Ahsoka, c'était une gamine. Il y a des Padawans qui ont 12, 13, 14 ans, qui sont emmenés sur des champs de bataille. C'est une vraie critique intéressante, et c'est le genre de choses dont j'aimerais que ce soit développé. Et donc, quand il lui dit ça, c'est toi qui l'as emmené ici, qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? C'est bien beau de se plaindre qu'elle ait été tuée par un ennemi. Qu'est-ce qu'elle fout là? Qu'est-ce qu'une gamine fout là? De base, c'est ta faute. C'est votre faute aux Jedi. Ça fait partie des choses intéressantes en critique à faire, effectivement. Donc, voilà, il y a des choses cool. Il y a des choses cool. Le problème, c'est ce qui arrive derrière. Tellement débile. Tellement débile. Donc, on a Osha qui arrive à ce moment-là. Toujours avec sa lampe torche, hein, parce que elle a son plan avec les insectes. Hein. Pareil, hein, je pense que je suis censé ressentir de la tristesse pour Osha qui voit Jackie morte. Mais, pff, ok, oui, je vous ai vu 3-4 fois vous parler. Vous échangez des banalités.
je sais que vous avez essayé de me faire penser que vous étiez devenus meilleurs amis quand elle va la voir à Coruscant, là, ah, on s'appelle, hey, je te rappelle si je reviens et tout, machin. Mais en même temps, ça sortait tellement de nulle part. Et donc là, il va attirer, il balance son manteau sur Saul. À sa place, je le mettrais, hein, parce que du coup, ça arrête les blasters, hein, ce manteau-là, quand même. Et les sabres laser, du coup. Donc ça vaudrait le coup de le garder pour la peine. Là, pareil, il pourrait la tuer en 2 secondes. Mais du coup, il fait son vilain à parler, quoi. Et donc, c'est là où il... C'est assez étrange, la partie-là aussi. Alors, il joue très bien. Encore une fois, c'est ça qui m'emmerde, c'est que j'ai envie de kiffer. Mais donc, il y a ce délire de... Enfin, pourquoi avoir risqué de révéler ton identité? Je portais un masque. Et j'aime bien la façon dont il délivre la ligne. Mais tu réponds pas à la question, par contre. C'est pourquoi t'as pris le risque de te faire voir par tout le monde? Parce qu'encore une fois, tu pouvais la buter direct quand elle t'a dit qu'elle allait te trahir. Ça n'avait aucun intérêt de faire tout ça. Donc, il y a autre chose. Et c'est là où il explique que ce qu'il veut, en fait... Pourquoi je fais ça? Je veux la liberté. Donc c'est un peu la même raison, c'est un peu le même truc, la même critique que le Coven au départ, sur le côté des Jedi qui contrôlent tout, sur l'usage de la force. Mais encore une fois, pourquoi t'as créé cette situation? Et qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça va changer, ce qui est en train de se passer? J'arrive pas à comprendre. Alors peut-être qu'on aura les réponses plus tard, peut-être. Il reste 3 épisodes. Mais là, je comprends encore pas, en fait. Ok, d'accord, tu reprochais aux Jedi. D'accord, ils ont vu ton visage, donc ils doivent mourir. Pourquoi t'as laissé Mae aller les retrouver? Pourquoi tu l'as pas tué? Je me répète, mais je ne comprends pas ça. Et il y a aussi un truc qu'il faut que je rappelle, hein, quand même. Aussi, pourquoi ça m'empêche d'apprécier à fond. Et pourquoi, pour moi, c'est pas un excellent épisode, même s'il y a des bons côtés. Je vous rappelle qu'à la base, c'est une critique que j'avais eue déjà dans l'épisode en question, où ils auraient dû l'arrêter, le mec. Rien de tout ça n'arriverait s'ils avaient été moins stupides du côté des Jedi, et si, quand il leur a avoué avoir fourni le poison qui a tué Torbin, avec en plus le Jedi sur le balcon qui leur a dit « C'est pas le mec là, normalement, qui tient la boutique. » D'où vous l'avez pas arrêté? D'où vous l'avez pas arrêté à ce moment-là? C'est de votre faute. Vous êtes des imbéciles, vous êtes des crétins. Qu'on me parle des défauts des Jedi, c'est une chose. Qu'on me les présente comme les derniers des imbéciles, et là, rien de ça n'arriverait s'il l'avait arrêté quand il leur a avoué avoir fourni l'arme du crime, tout simplement. Il serait pas là, en fait. Donc c'est de votre faute, c'est totalement de votre faute. Et là, tu l'as. Quelle raison t'as de pas la tuer? Tu l'as direct. De toute façon, tu t'es déjà fait 5-6 Jedi à ce moment-là. Et c'est le moment où Yord arrive. Alors je sais pas, parce que du coup, Osha est arrivé un peu avant. Est-ce que lui se planquait en attendant le bon moment ou quoi? Je sais pas trop, je comprends pas trop. Et donc il y a affrontement entre les deux. Voilà, il découvre le visage justement de son ennemi. Pendant ce temps, Saul regarde. Il semblerait, parce qu'il se passe tout ça, et Saul ne bouge pas. Et vous avez pas de règle qui vous interdit de vous battre à deux, vous le faisiez tout à l'heure. Et au début, vous étiez à 5-6 contre lui. Mais non, là, Saul attend. Et bah, Yord se fait tordre le cou. C'est une fin de tournage pour Yord. Ouais. Pareil, que j'ai pas vraiment connu, pour le coup. Et Mae qui se barre à nouveau, alors que sa sœur est là. Elle essaye même pas d'emmener sa sœur avec elle, ou quoi que ce soit. Elle se barre de son côté. Osha, qui lui tire dessus, avec l'espèce de blaster, là, qui fait s'évanouir. Sauf qu'elle va être évanouie 2 minutes. Alors ça, c'est super rigolo, parce que... Elle est évanouie 2 minutes, on va la voir qui revient 2 minutes après, alors que quand c'est Saul qui se fait toucher, lui c'est parti pour 1 heure. Je comprends pas trop comment ça fonctionne leur truc. C'est vraiment selon ce qui arrange les scénaristes, et ils se prennent pas la tête à justifier quoi que ce soit. Enfin. Et donc voilà, Saul qui pète un plomb parce qu'il voit que son ancien disciple est mort lui aussi. Combat très sympa, encore à corps à main nue. Entre les deux. Et là, il y a ce truc de... Kimrin, là, lui dit « Mais tu lui fais confiance, machin. » Balance ce que tu sais. Tu sais les choses. Balance. Pourquoi tu dis rien? Je déteste ça dans ce genre de programme. Quand les personnages savent des choses, dans toute situation logique, les diraient à un moment, mais ne le font pas, juste parce que le scénario dit qu'il faut pas, parce que c'est pas encore le moment. Où il y a aucune raison logique qu'ils ne disent pas les choses. Là, logiquement, il veut faire chier Saul, il lui dit directement, il a fait ça. C'est tout. Et là arrive le truc le plus débile. Un truc, vraiment, j'ai rarement vu un truc, ça rentre dans le panthéon des trucs débiles de Star Wars quand même. Il le tient. Il est désarmé, lui a son sabre laser. Il le tient. Sur le moment, il veut le tuer. Ce qui serait totalement légitime. Ça serait pas une mauvaise idée. Osha va faire un signe, va lui dire « Non, en mode « T'es un Jedi, faut pas le tuer, machin. » Lui fait un signe, lui comprend que c'est rapport aux insectes, donc il range son sabre. Si tu le tues pas, tu l'arrêtes
et tu l'emmènes sur Coruscant. Soit tu le tues, parce que vraiment t'es vénère, machin, t'as peur qu'il révèle la vérité, et il a tué ta disciple et ton ancien disciple et compagnie. Et dans ce cas, tu le tues, soit tu l'arrêtes et tu le ramènes sur Coruscant, parce que c'est un Sith. Et non, non, il range son sabre, et c'est en mode, haha, non, je vais pas te tuer. Et donc, elle se sert de son droïde là pour faire lampe torche. Déjà, l'autre débile, là, pour ce coup-ci, c'est lui qui devient débile, le Sith. Se rend pas compte qu'il y a une lumière qui vient de s'allumer derrière lui, se pose pas de questions, ne se retourne pas. Alors que ça se voit, une lumière qui allume derrière quand t'es dans la pénombre. En plus, vu le combattant que c'est, quelqu'un comme Osha qui est loin de leur niveau. Très très loin de leur niveau. Clairement, il l'entend venir, il la sent venir, quelque chose. Mais non. Elle arrive sans problème. Elle lui colle la lampe dans le dos. Il est pas capable de l'enlever. Le mec a bousillé des Jedi comme moi, je bousille une piñata. Et non, il arrive pas à se débarrasser des insectes. Et c'est quoi leur projet? À eux deux, là, à Saul et à... Enfin, vous en savez rien s'ils vont le tuer. Et du coup, s'ils vont le tuer, c'est vraiment... Je l'ai pas tué, hein. Il se fait tuer par les insectes. Mais c'est trop important. Il n'y a pas eu de site depuis 1000 ans. Et vous le laissez emmener par des insectes? Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a strictement aucun sens. C'est, qui écrit ça? J'en reviens là, mais qui écrit des trucs aussi débiles? Ça n'a aucun sens ce qui vient de se passer. C'est déjà dans Batman Begins, j'avais pas aimé le « je te tue pas, Ra's al Ghul, mais je suis pas obligé de te sauver ». Mais là, c'est encore pire, parce que là, il devrait tout faire pour avoir des informations, pour comprendre. Et même si Saul voulait éviter de que ça sache qui s'est passé ou je sais pas quoi, tue-le dans ce cas. T'as toutes les raisons de le faire. Et du coup, elle lui demande de lui écrire, oh, mais tu me caches des trucs ou quoi? Je t'en parlerai, fais-moi confiance, je t'en parlerai. Et donc là, lui se fait stun, mais alors lui, par contre, c'est pas 2 minutes. Parce qu'elles ont le temps d'avoir toutes leurs discussions, qu'il se passe des trucs, machin. Ok, donc ça marche différemment selon les gens. Et vraiment, je comprends pas Maé, je comprends pas. Et donc on a cet échange entre les deux, Maé qui est en mode, t'es ma frangine. Et viens, je veux qu'on soit ensemble, t'es ce qui est important pour moi, fallait pas aller vers les Jedi. Ça me fait beaucoup rire, parce que pour le coup, Osha, t'es gentil, hein, t'es sympa, tout ça, machin. Ta frangine, elle s'est fight contre des maîtres Jedi. T'as vraiment cru une seconde que t'allais la maîtriser? À quel moment, dans ta petite tête, tu t'es dit, je vais pouvoir maîtriser ma frangine qui, elle, se bat face à des maîtres Jedi? C'est beau l'espoir, c'est beau, mais c'est stupide. Je respecte, hein, mais ta sœur maîtrise la force. Elle entend pas juste des voix, elle peut utiliser la force. Qu'est-ce que t'as cru? T'as cru qu'il allait se passer quoi? Genre vraiment, t'as eu... Meuf, t'as la confiance, quoi. T'as vraiment la confiance. Donc, évidemment que l'autre la tège. Évidemment, y a pas de doute là-dessus. C'est comme si moi, je fonçais sur Mike Tyson en mode, je vais te faire ta fête. Non, je vais pas lui faire sa fête. Je veux dire, spoiler, il me rétame. Et du coup, il y a tout ce délire de, ouais, je veux qu'on soit ensemble, les Jedi t'ont lavé le cerveau. Alors, pareil, dis ce que tu sais. C'était le bon moment, vous êtes que toutes les deux. Dis-lui ce que tu sais. Écoute, non, les choses sont pas passées comme tu le crois. Dis quelque chose. Et donc... Ah, il récupère ce sabre laser. Et alors, bon, dans l'exécution, la scène est cringe. Parce que vraiment, je sais pas, la façon dont elle le fait, puis le fait qu'après elle regarde le ciel comme ça, avec le silence, il y a un côté cringe à l'exécution. Sur le fait de se couper les cheveux au sabre laser, j'ai vu que ça gueulait beaucoup là-dessus. Oui, dans la réalité, ça purait. Dès que tu t'approches d'elle, tu fais wow, tu t'es cramé les cheveux, toi, qu'est-ce qui se passe? Mais, si on est logique et on parle de Star Wars, je vous rappelle que c'est comme ça qu'on enlève la mèche des Padawan quand ils deviennent vraiment Jedi. Si on gueule pour l'un, on gueule pour l'autre. Bon, les Padawan sont pas censés être... Enfin, cacher le fait qu'ils viennent de se faire couper les cheveux ou machin. Si ça pue, au pire, c'est pas grave. Mais c'est pas la première fois qu'on voit quelqu'un se couper les cheveux au sabre laser, pour le coup. Alors, dans l'exécution, par contre, c'est cringe. Ça, oui. Et... Pour ceux qui disent c'est du détail machin, pareil, dans l'interview de Entertainment Weekly, il y a vraiment tout où elle dit un moment dès l'épisode 1, ils ont discuté, réfléchi, quelle coiffure il fallait qu'elle ait pour que ça fonctionne. Enfin, vraiment, elle explique qu'ils ont passé du temps sur ce truc-là, de Maé qui se coupe les cheveux. Et donc là, j'ai besoin de poser la question. Donc c'est bien, vous avez passé du temps à trouver vraiment des coupes de cheveux qui correspondent. Ou si elle fait ça, ben elles ont la même coupe de cheveux et du coup on peut pas les différencier la coupe de cheveux.
Et ton gros symbole que t'as sur le front, et ton gros symbole que t'as là, qui se voit à mort, qui se voit tellement. Qu'est-ce que tu racontes? T'as un gros symbole là, 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 t'as un gros symbole. Comment on peut confondre les deux? Ils se voient à mort, ça se voit. C'est pas parce que vous allez faire style, pas filmer le côté là, qu'on sait pas qu'elle a un putain de gros symbole sur son front. C'est vous qui l'avez écrit. Vous pouviez l'écrire n'importe. Vous pouviez écrire qu'il était n'importe où le symbole. Vous pouviez le mettre sur l'omoplate. Vous pouviez le mettre plus bas ici. Genre, faut vraiment tirer sur le tir. Vous pouviez faire ce que vous vouliez. Vous l'avez mis sur son front. Vous l'avez mis sur son front, les scénaristes. Et maintenant, vous me dites que juste parce qu'elle a la coupe de cheveux, on va pas se rendre compte que c'est pas la même. Mais qui écrit ça? Qui a fait ça? Vraiment, c'est génial. Je kiffe ces trucs débiles. J'adore ça. Vraiment, vraiment, je veux que ce soit clair. Je ne m'énerve pas là-dessus. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Et vraiment, quelque part, j'ai une frustration de me dire qu'il y a tellement de scénaristes talentueux et de voir que des gens écrivent ça, ça... Voilà, bon, ça me rend fou, mais d'une manière fun en réalité. Et encore une fois, hein, je veux vraiment préciser, si vous adorez la série et tout, c'est cool, c'est génial, tant mieux. Je suis hyper content pour vous, c'est top. Mais bordel, t'as un énorme symbole sur le front. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Là, t'as un énorme symbole, là. Qu'est-ce que tu fais? Et donc voilà, elle se coupe les cheveux pour ressembler. On voit que lui n'a rien. Du tout. Qu'est-ce qui vous a pris de le faire emmener par des insectes alors que vous le teniez à votre merci? Ça n'a strictement aucun sens, aucun putain de sens. Basile vit ses aventures de son côté. Alors, ce qu'il récupère, ça doit être la lampe. Ça doit être la partie du droïde de Osha, ce qui lui permet d'avoir l'odeur. Saul va décider de se réveiller quand même. Alors, j'adore ce qu'il lui demande, mais elle est où? Qui ça? À ton avis, qui? Et Maé, bon, elle est partie. Ah bon? Et ils partent en marchant. Donc ils abandonnent tous les corps des autres Jedi là. Ils se posent pas la question de où est passé le site, vérifier s'il y a un corps ou quoi. Elle lui dit, ah bah elle est partie. Ah bah d'accord. Et ben on se casse. En marchant. Tranquillement. Tu peux pas au moins demander. Enfin, c'est quoi le projet? Soit tu cavales en mode vide, faut qu'on appelle des renforts, machin, faut qu'on fasse un truc. Ou alors tu demandes aux deux de ramener les corps, ou j'en sais rien. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Cavale pour appeler, pour demander du renfort. Après, on est à la Haute République, je sais pas comment se passent les communications longue distance, c'est un peu plus compliqué, je crois. Mais, d'autant plus qu'il faut être clair, il rentrera pas sur Coruscant. Il peut pas rentrer sur Coruscant. Il n'y arrivera pas. En tout cas, il y a très peu de chance, parce que il peut pas dire qu'il y a un site. Il peut pas... Ou alors, ça veut dire que sur Coruscant, on garderait ça secret, ce qui serait quand même bizarre, enfin... Mais pour moi, il peut pas rentrer sur Coruscant. Il doit mourir aussi. Et pareil, par rapport à l'interview d'Entertainment Weekly, il y a un moment où justement Leslie Headland explique qu'en gros il y a une inspiration de la relation père-fils d'Anakin Luke. Et que là où tout le début de la saison c'était sur la relation plutôt sœur-sœur, ce que je trouve pas vraiment, mais là ça sera plus sur la relation un peu père-fille, donc Saul au chat. Donc je pense qu'il va se sacrifier. Je pense qu'il finira par se sacrifier après lui avoir révélé les mauvaises choses qu'ils ont fait et tout ça. Il se sacrifiera pour moi, pour Osha. Mais du coup, c'est quoi le projet? Et qu'on ne dise pas qu'il est au courant que c'est pas Osha, machin. Parce que dans ce cas, ça veut dire qu'il est conscient qu'il abandonne la vraie Osha. Et elle, Maé, qui veut prouver à sa sœur que les Jedi sont mauvais, l'abandonne avec le Seigneur Sith. Elle la laisse à crever, là. Et ça lui pose aucun problème. C'est en ça que ses motivations n'ont aucun sens. Déjà là, je sais pas vraiment ce que... J'imagine que ce qu'elle veut, c'est justement démontrer... Donc quoi? Elle veut qu'il lui parle? Mais la solution la plus simple, ça aurait été d'aller voir Saul avec sa sœur et de le confronter. Pourquoi avoir laissé sa sœur derrière? Elle l'emmenait avec elle? Enfin, je sais pas, je... C'est très bizarre, c'est vraiment très bizarre. Et donc Basile, toujours dans ses aventures, qui lui... C'est le seul malin, c'est le seul qui sont un peu intelligents dans ce bordel. Et le pire, c'est que le truc du vous savez que le truc du tatouage dans le front, à tous les coups, c'est même pas ça qui va faire qu'il va comprendre que c'est pas elle. C'est parce qu'il va voir qu'elle a pas le tatouage sur le bras. À tous les coups, c'est ça. Et là, ça me ferait vraiment halluciner. S'ils arrivent à nous faire ça, qu'ils ne voient pas le gros logo qu'elle a sur le front,
et que ce soit à cause du tatouage qu'ils s'en rendent compte, je meurs de rire. Je meurs de rire. Je meurs de rire. Et donc voilà, on nous confirme bien, ça c'est cool. Au moins, c'est pas du faux. Effectivement, Jackie est morte. Yord est mort aussi. Voilà, c'est le tatouage-là dont je parle. À tous les coups, c'est parce qu'il va voir qu'elle l'a pas, qu'il va s'en rendre compte. Ils en sont capables. Ils en sont capables. Alors, c'est pas possible que lui ne sache pas, par contre, que c'est pas... Pour moi, il le sait. Pour moi, forcément, il le sait. Peut-être qu'il se dit, vu que ça a raté avec l'autre, je vais essayer avec celle-là. Alors, on voit qu'il fait un truc. J'imagine qu'il la soigne, mais il n'avait pas les moyens de montrer une blessure qui se referme. Donc, du coup, fermez les yeux, imaginez-le. Il referme une blessure. Et voilà, il sort sa petite phrase en mode, on est extraordinaire, machin, je sais pas quoi. Et ça se termine là-dessus. C'est, oui, l'épisode est bien mieux. Non, c'est pas un bon épisode pour moi. Pour moi, vous avez le droit de le penser que c'est un très bon épisode. Si vous avez eu les éléments qui vous font plaisir, parce qu'il y a du combat de sabre et ainsi de suite et machin, génial, super, je suis hyper content pour vous. J'ai eu des moments qui m'ont plu, j'ai eu quelques lignes qui m'ont plu, quelques éléments qui m'ont plu, mais il y a des trucs, enfin... Vraiment, le moment où il part en mode Mary Poppins emporté par les insectes, quel projet ? L'autre qui veut se faire passer pour sa sœur alors qu'elle a un énorme truc tatoué sur le front. Enfin, il y a des... Puis ouais, le fait qu'il devrait même pas être là parce que vous étiez censé l'arrêter il y a déjà 2 épisodes. Et puis le mystère qui... Vous vous rendez compte quand même qu'on en était à se dire ça ne peut pas être lui parce que c'est trop évident. Et c'était lui. Et je suis désolé, mais contrairement à ce que dit Leslie Headland, la choroneuse, c'est pas parce que derrière tu fais des grosses morts et compagnie, et ça c'est ce qui reste très bien, pas de souci, mais ça n'enlève pas le fait que ton mystère était naze. Super naze. Et que ton reveal... Et que ton reveal vaut rien. C'est... Voilà, c'est ça mon problème avec. Enfin voilà, c'est pas pour faire le hater encore une fois, mais c'est vraiment intéressant à analyser et tout, je trouve ça hyper intéressant. Vraiment, vraiment. Si je trouvais ça juste nul ou inintéressant ou machin, je m'embêterais même pas. Mais là, je trouve qu'il y a vraiment des choses à dire pour le coup. C'est intéressant d'analyser ce qui va pas et tout. Et encore une fois, c'est un avis. Vous pouvez ne pas être d'accord, il y a aucun souci. En tout cas, voilà. Écoutez, n'hésitez pas en tout cas, si ça vous a plu, à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, tout ça, tout ça. Merci beaucoup de votre temps. Je vous dis à très bientôt et ciao, ciao. Bye tout le monde.